Ils viennent de tous les horizons. Informaticiens, artistes, ingénieurs, libraires, manœuvres. Ils sont unis par une seule et même quête, celle du fantastique. Passionnés jusqu'à l'obsession, ce sont les bunkers. Il y a un ensemble de il y a un ensemble de facteurs qui interviennent. D'une part, le côté désordonné de la recherche qui a été faite jusqu'à présent, qui a été faite en partie par des amateurs, donc qui ne présentent pas les standards de qualité qui sont requis dans la science normale. Et puis d'autre part, il y a effectivement l'incroyable difficulté de faire admettre ce sujet comme un sujet non seulement sérieux, mais important. Le message n'a pas encore réussi à percoler dans l'esprit des hommes de science en France. Exploité par la presse à sensation, ridiculisé par les sceptiques, largement méprisé par la communauté scientifique, le paranormal n'en captive pas moins l'imagination populaire. Il connaît bien la communauté des chasseurs de fantômes. La motivation, évidemment, est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais bien souvent, quand on gratte un peu sous la surface, on trouve, je dirais, un désir de croire. Au-delà d'une rigueur de façade, on voit apparaître ce désir de croire. Nous nous intéressons à une vérité qui se cache derrière un authentique mystère. Certains d'entre nous sont détenteurs de doctorats en sciences, d'autres proviennent du milieu des arts, attirés au phénomène par leur sensibilité créatrice. C'est précisément cet éclectisme qui a contribué dans une large mesure à ternir la réputation de la communauté chasseurs de fantômes. Sitôt une observation connue, chasseurs de fantômes, les journalistes se retrouvent au coude à coude sur le terrain et essaient de part et d'autre de tirer de l'événement le maximum de substance. Pour les uns, c'est le moment privilégié de réaliser un reportage spectaculaire. Et pour les autres, une occasion inespérée d'exposer leurs thèses les plus farfelues. C'est ainsi que les commentaires des chercheurs plus rigoureux sont noyés dans les récits folkloriques, lesquels s'attirent invariablement la faveur des médias. Pris en otage dans ce capharnaüm idéologique, il n'est donc pas étonnant que la communauté des chasseurs de fantômes se soit créée au fil des ans la réputation d'attirer en son sein toute une bande d'illuminés. Comme ce fut le cas dans d'autres champs d'activité, nous avons, en tant que groupe, évolué vers davantage de sophistication au fil des années. Il y a eu des fraudes, nous avons assisté à des percées remarquables en matière de recherche, nous nous sommes un peu mieux organisés. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu plus respectés du public, mais pas suffisamment. Laissés dans l'ombre, les plus sérieux, c'est-à-dire ceux qui refuseront de se ranger sans discussion à cette opinion, seront stigmatisés par les tenants de la théorie fantôme comme étant des ignorants ou des gens de mauvaise foi. Avec un phénomène qui serait peut-être lié à notre nature profonde. Alors certains vont penser à des hypothèses psychologiques, là on est plutôt dans quelque chose de parapsychologique, où un phénomène se manifeste par rapport à notre culture pour nous signifier autre chose que simplement une visite extraterrestre. Le phénomène est beaucoup plus lié aux témoins qu'on ne le pensait. Cette absence de résultats concrets amène des bunkers à s'interroger. L'étude des fantômes est au bord du schisme. Et la critique vient de l'intérieur. C'est-à-dire que longtemps, les sceptiques étaient des rationalistes, des gens, comme on dit, qui ne connaissent pas le dossier. Et là, ça change, c'est-à-dire que chasseurs de fantômes sont passionnés pour le sujet, qui ont longtemps cru, entre guillemets, vont commencer à dire « nous n'y croyons plus ». Ce sont des mauvaises interprétations de phénomènes connus, et c'est une mythologie. Ça ne correspond à rien de réel. Il n'y a pas de phénomène mystérieux. Ça se ramène à des confusions avec des choses banales. La cueillette des témoignages est, à elle seule, insuffisante pour comprendre le phénomène. On veut devenir scientifique, il faut payer le prix. C'est-à-dire qu'il faut changer nos méthodes. On ne peut plus se contenter de recueillir des témoignages. Il faut, comme les scientifiques, produire des faits. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que les scientifiques, le travail du scientifique, c'était d'observer la nature. En fait, ce n'est pas ça. Un scientifique, il est dans son laboratoire, il voit très peu de la nature, il regarde des instruments, il regarde des diagrammes, des courbes, des choses comme ça, et c'est là où la nature se manifeste de façon très éloignée. S'il va dans la nature, au milieu d'une forêt ou sur une montagne, il ne voit rien. Je dirais, effectivement, il est au milieu de la nature, mais il ne peut rien faire. Donc, la question que se sont posées, c'est des bunkers, de se dire comment présenter ces données de manière à ce que ça devienne quelque chose de scientifique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un prix à payer,
qui était plus de simplement récolter des histoires et même essayer de les expertiser comme le meilleur juge ou le meilleur policier, mais essayer d'anticiper sur les faits et de produire des choses qui permettraient de prendre des décisions sur, enfin, de décider s'il y a quelque chose ou pas. On est déçu si on croit que la science trouve toujours des solutions. Or, encore une fois, dans le domaine de la connaissance, les solutions sont très rares. C'est-à-dire que les scientifiques, quand ils étudient un dossier, il est très rare qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur ce que c'est. Alors bien sûr, quand on lit les ouvrages d'histoire des sciences, il y a des grands noms, il y a Galilée, il y a Newton, il y a Einstein, il y a tous ces gens qui ont apporté à la connaissance scientifique. Mais on oublie que 99% de la recherche scientifique, c'est une recherche qui n'aboutira à rien. Qu'on fait parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut chercher, parce qu'il faut se poser des questions, parce qu'il faut faire avancer les choses. Mais souvent, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est très difficile d'arriver à obtenir un consensus en science. Donc, si on se place hors de ce domaine contrôlé, qui est de l'activité scientifique, dans un milieu avec des amateurs, avec des intervenants très différents, et on comprend que ça soit encore plus difficile. Et du coup, il est encore plus intéressant, parce que, comment dire, l'argument c'est toujours de dire « chasseurs de fantômes ». Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas capables de produire un fait positif, ils ne sont pas comme les scientifiques qui arrivent à faire des choses sérieusement. Mais moi j'ai tendance à prendre le problème différemment. Si en science, malgré toutes les exigences qu'il y a des collègues, le fait d'avoir des diplômes, des publications, des contrats, tout ce qui s'ensuit, si malgré tout ça, on a aussi peu de faits en science, c'est encore plus extraordinaire, alors qu'il n'y a aucun de ces contrôles, on arrive malgré tout à avoir quelques situations dans lesquelles on a des gens qui arrivent à faire des choses sérieuses. Donc je crois que c'est exactement l'inverse. C'est pas que les débunkers sont peu sérieux, c'est qu'ils sont par rapport à leur milieu très sérieux. C'est exactement le contraire. Pour vous donner un exemple, dans ma partie, chez les sociologues, les ethnologues, on pourrait supposer que ça pose pas de problème puisqu'ils ils étudient au moins un phénomène sociologique ou culturel. Mais même vu sous cet angle, c'est encore pas pris très au sérieux d'étudier les fantômes. Un sociologue qui étudie les chasseurs de fantômes, aujourd'hui, lui-même risque d'être mis un peu à l'écart. Alors là, ça devient complètement absurde. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte de barrière, vous voyez, de rejet de type culturel ou philosophique. Et vous entendez, je suis probablement fou et je devrais me faire interner.